Il y a plusieurs vagabonds entre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Code 2. Pourquoi sur Code 2? Et ben c'est très simple, c'est parce que j'ai acheté ce jeu il y a pas très longtemps, il y a 2 jours, et donc bah j'ai voulu essayer et je me suis dit pourquoi pas l'essayer en gameplay avec vous, puis en plus j'ai des choses à vous dire donc ça tombe bien. Donc Code 2, et ben c'est un jeu que j'ai toujours voulu avoir depuis un an maintenant que je joue beaucoup à la Xbox. J'ai toujours voulu avoir ce jeu et bon voilà, bon ça c'est un vieux jeu, ça date de 2003 je crois, mais il est bien, franchement il est bien, il est fluide, c'est vraiment magnifique. Regardez ça, les dragscopes passent comme je ne sais pas quoi. Et donc voilà, donc c'est un Call of, on pouvait pas courir dessus, c'est très très embêtant ça par contre. Et donc bah on va parler du gameplay Code 2 juste après. Là je vais commencer par vous parler de ce que j'ai à vous dire. Donc bah Premio Trinity Clan. Alors on a créé une chaîne spéciale pour Trinity Clan pour les vidéos qu'on allait mettre dessus. Mais on s'est dit on a galéré pour démarrer au début sur YouTube. Et on galère toujours maintenant hein, au niveau des abonnés. On a vraiment galéré donc pour arriver à 300 abonnés. Donc on s'est dit que là, si on repartait avec une base de 300 abonnés, c'était mieux que rien. On mettait en privé toutes les autres vidéos. Donc là, j'ai mis en privé toutes les vidéos qu'il y avait sur Trinity Gaming avant. Et puis comme ça, elles sont pas perdues. Puis on a créé la chaîne. Donc j'ai mis la bannière et l'intro qui sont faits par Trinity Freezy d'ailleurs, gros big up à toi. Je mettrai le lien de ta chaîne dans la description et merci pour ton boulot. C'est lui qui a fait l'intro, l'outro, l'intro du clip de la semaine qu'il va faire et le logo et la bannière. Donc merci à toi. Donc voilà, on a sorti la première vidéo, l'introducing de Trinity Clan. C'est pas Freezy qui l'a fait, c'est moi. C'est mon tout premier montage. Je suis désolé si ça rend pas vraiment bien. Les futurs seront mieux. J'ai voulu essayer d'en faire un. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait de la base. Mais bon, c'est pas terrible. J'aime pas trop Devix, lui aime bien, mais bon, c'est pas très compliqué. Alors aussi pour au niveau du roster, le roster est c'est difficile comment dire on a longtemps essayé de le conserver sauf que bah on a eu des problèmes les gens voulaient partir parce qu'on avait à l'époque on avait Liberty et Banana qui ont pris une crise de tête, enfin entre guillemets, moi je vous aime bien les gars encore, hein, et qu'ils ont dit ouais c'est bon on se barre parce que bah on n'arrivait pas à gérer le roster en fait avec Devix, surtout que moi j'étais pas dans, enfin j'étais dans le roster mais que je m'occupais de YouTube donc ils me demandaient de chercher des matchs de team, les ODC et tout, moi je j'étais pas sur ce point-là, c'était Impact normalement qui devait gérer ça. Ils essayaient tous de chercher un peu le roster, enfin les ODC, les matchs de team et tout, mais ils arrivaient pas trop à trouver. Donc Liberty a dit bon allez c'est bon, moi je me casse, tant pis, j'espère trouver une team mieux, bonne continuation, enfin voilà. Du coup bah on a continué avec Devix, enfin Liberty est parti avec Banana parce que voilà ils ont là ils jouent encore, on leur parle un peu. Mais voilà, donc Liberty est parti avec Banana. On n'est plus que 3. Enfin Devix me dit qu'il y a 2 autres joueurs, il me les a pas encore présentés. Donc il y a moi. Enfin non, il y a Devix, Impact qui joue, pour l'instant que je connais. Impact il était en vacances, je sais plus s'il joue, j'ai pas eu de contact avec lui. Mais bon Devix je sais très bien qu'il joue, on a même joué ensemble plusieurs fois. On s'est bien éclaté d'ailleurs sur Dyrrhize, une map que j'ai pas téléchargée il y a pas longtemps en fait, que on avait pas joué, on a bien rigolé parce qu'on connaissait pas du tout. C'est une vieille map oui, mais on a joué dessus. On vous fera peut-être des vidéos sur Black Ops 2 tous les deux parce qu'on a vraiment repris le goût de jouer, surtout moi que j'avais plus envie de jouer du tout. Bah là
Là, j'ai vraiment repris le goût de jouer. Il y a les vidéos. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc le roster, il y a Impact aussi et à moi qui suis sur YouTube. J'essaie de gérer la chaîne tant bien que mal. Et là, j'ai repris le goût de faire des vidéos. Donc, le projet, ça va être de sortir une vidéo minimum chaque semaine. Donc, j'espère. Bah, il y aura le clip de la semaine qui va reprendre. D'ailleurs, normalement. La vidéo est sortie pour vous expliquer comment envoyer vos clips au clip de la semaine pour qu'il passe. Donc s'il vous plaît les gars, si vous avez un petit clip de côté, envoyez-le et allez voir la vidéo aussi. Je vous mettrai une annotation à ce moment-là. Voilà. Sinon il y a rien d'autre à dire. À part que bah pour les deux autres joueurs que DVX m'a pas présenté, bah il me les présentera, vous inquiétez pas, on va se débrouiller pour ça. Pour revenir au gameplay sur Code 2. Alors sur Code 2, ça me fait penser à autre chose d'ailleurs. Si vous vous rappelez les anciens abonnés qui s'étaient abonnés du moment Trinity Gaming, vous saurez qu'on avait fait une série qui s'appelait Retour aux sources, où on jouait sur les Call of depuis le début. Alors, on avait commencé, nous, sur Code 4, donc parce qu'on n'avait pas Code 2 ni Code 3. J'ai réussi à me procurer Code 2 et Code 3 il n'y a pas si longtemps, et si tout se passe bien, on devrait recommencer la série. En partant cette fois de Code 2. DVX n'a pas encore Code 2, mais il m'a dit qu'il se démerderait pour se le procurer. Code 3 pareil. Et sinon pour les autres vidéos, on va le refaire, hein. C'est pas ça qui manque. On va essayer de choper des vidéos à plusieurs aussi, faire des secrets zombies et choses comme ça. Ça va vraiment être sympa à mon avis. On va essayer de bien reprendre YouTube en main. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire durant le Trinity Gaming, c'était tout. Moi je disais que c'était le bordel un peu parce que des semaines j'avais pas envie de faire la vidéo, d'autres semaines je sais pas ce que je faisais, bref. C'était le bordel. Pour revenir au gameplay, comme je disais sur Code 2. Alors Code 2, c'est un Call of ancien de la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, attendez j'ai la boîte. Champ de bataille plus épique de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, pardon. Oui, donc c'est laquelle, la Première Guerre mondiale? Non, je crois pas que ça. Je vous ferai sûrement une vidéo aussi sur Code 3. J'ai fait une partie sur Code 3 et ça m'a pas plu plus que ça. Je me suis aussi procuré mon Black Ops 2 qui marchait plus, je l'ai du coup. Et voilà, c'est je vais pouvoir refaire des vidéos sur Black Ops 2 aussi. On n'avait pas encore proposé de gameplay sur Black Ops 2, c'est vrai. À part un tuto Boryad, mais c'est vieux ça. C'était une petite vidéo qu'on avait fait à l'arrache, je me rappelle, avec DVX. Il était chez moi et on avait commenté avec un seul micro pour deux. Enfin bref, Nawak. J'essaie le sniper, je crois c'est le quart. Sur Code 2, et lui, Nikos, là, il m'a fait chier avec son pompe. Il me butait, mais de près de mon fou, là, c'était n'importe quoi. Alors, là, en fait, j'ai vu aussi qu'il y avait une option des jumelles. Alors, j'avais un sniper, je me disais, mais ça sert à quoi, jumelles? Mais bon, les jumelles, en fait, c'est comme vous pouvez soit sprinter, ils ont, enfin, pour utiliser la touche pour sprinter. Ils vous ont mis des jumelles à la place. Alors ça marche pas très très bien, mais c'est juste pour zoomer au cas où vous avez pas de sniper. Vous verrez plus tard si je laisse le gameplay jusqu'à la fin. J'ai pris l'arme. Donc c'était, putain, j'ai dit là la MP machin, ce que j'avais pris, mais je m'en rappelle pas du tout. Je suis désolé. Pour au niveau du sniper sur ce jeu, alors moi je trouve que ça passe bien. J'ai bien aimé. Moi je me suis bien marré. Vous avez le sniper soit avec lunettes soit sans lunettes, donc c'est un peu comme World at War, c'est le seul souvenir que j'ai. C'est soit vous pouvez mettre la lunette soit pas. C'est pas une mire, c'est bof, c'est une mire en fait. Si, ouais. Et j'ai pas vu un mec là, bon bah c'est pas grave.
Et du coup, bah voilà, c'était. Mais c'est plus agréable avec la lunette. J'ai essayé deux snipes et c'est franchement plus agréable avec la lunette. Les dragscopes passent bien, les quickscopes un peu moins. Les noscopes, par contre, c'est un truc de dingue. J'en ai pas fait sur cette partie, mais j'en avais fait sur d'autres parties et franchement, ça passe crème, hein, les noscopes. Là, je viens de me faire buter par une campeur. Donc là, je vais prendre l'arme. Ah, c'était la MG, j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, bon, bref, elle est bizarre. Donc là, je vais régler ma sensi un peu. Vous voyez qu'on n'a pas les options où on peut régler la sensi, le nombre de sensi. C'est juste haut, très élevé. Enfin, comme le partie personnalisée de la MW2 là. En écran scindé, vous pouvez pas personnaliser le nombre. Alors là, bah, je vais galérer un peu vers la fin. Au début, j'étais bien. J'aurais dû commenter au début plutôt, mais c'est pas bien grave. Mais au début, j'arrivais bien, je me démerdais bien. Puis après, ils m'ont saoulé en fait. Je savais pas trop ce qui se passait. Et voilà, on a des classes prédéfinies. C'est pas des classes que vous pouvez customiser vous. C'est surtout des classes faites par rapport au pays que vous êtes. Donc ça, c'est bizarre. Il faudra que je regarde, mais vous avez bah deux équipes. Oh là là, j'ai mis un beau drop shot. Vous avez deux équipes et vous pouvez. Bon, au début, c'est vraiment très bizarre. Vous pouvez soit choisir d'être dans une équipe, soit dans une autre, ou alors vous pouvez vous mettre en association. Donc c'est comme dans les parties personnalisées de maintenant. C'est très bizarre. Moi, ça m'a fait tout bizarre quand j'ai vu ça. Et chaque équipe a son sniper, sa mitraillette, son fusil à pompe, son sniper sans lunettes, sa batteuse et son fusil d'assaut. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit. Bon, toutes les armes. Et c'est à chaque fois différent. Donc là, si j'aurais pris, par exemple, je sais pas quel pays j'étais là. J'étais l'Amérique. Et si j'aurais pris, je sais pas quel pays il y avait. Time.